Donc, au niveau de mes priorités, alors à part les posters à compléter ici, Panini, j'ai les albums pour lesquels il manque peu d'images, il m'en manque moins de 10, un peu plus de 10 ou moins de 10, donc Biker Mice, Inspector Gadget, Mask, ce Winnie de 2011, ce Yu-Gi-Oh! Et ce Dragon Ball Z de 2008 que je vous ai pas, dont je vous ai pas encore montré l'intérieur. Ensuite, autre priorité pour mes albums, compléter le plus d'images possible de cette version-là de Pokémon. Alors, je voulais vous montrer une brillante de Mew qui était vers le milieu. J'ai pas encore réussi à vous la montrer. Donc, j'ai commencé à faire des échanges la semaine dernière. Donc, j'ai reçu des images cette semaine. Indicateur. Et ici, voilà, il se trouve là, le Mew, très sympa. Donc j'ai commencé à recevoir des images cette semaine, je disais. J'ai encore 5 enveloppes à ouvrir. Alors je peux vous les montrer. Où est-ce que je les ai mises? Où est-ce que je les ai mises, les 5 enveloppes? Elles sont là. Ah, il y a 5 enveloppes avec des images dedans que je dois récupérer. J'attendais de pouvoir faire mes vidéos et les ouvrir avec vous. Donc on va ouvrir ça, on va voir ce qu'il y a dedans pour compléter. Donc le Pokémon ici, je recherche les images. J'ai pas de mal à en trouver. Il y a plein de gens qui en possèdent et qui sont d'accord pour faire des échanges, voilà, pour ce Panini Pokémon. Ensuite, autre priorité, cet album, Le Monde de Batman. Donc j'ai acheté dans le commerce neuf. J'avais quelques images et puis j'étais passé à autre chose, à d'autres albums ou alors je m'intéressais plutôt au Panini. Donc il a quelques années maintenant, 2016, je vois. Donc dans cet album, on va retrouver des images tirées des anciens comics, des images des séries télé, du dernier dessin animé en date. Alors je crois que c'est Batman Unlimited, celui-ci. Les derniers films en date à l'époque de l'album donc de Nolan. Et le film Batman versus Superman, l'aube de la justice, avec des posters, des visuels. Et en regardant les images, je vais vous les montrer dans quelques instants, je me suis aperçu que le design graphique des images et de l'album en général était extraordinaire pour cet album. J'ai vraiment très très hâte de pouvoir récupérer des images. Le poster, lui, bien sympathique aussi. Alors le poster sans les images. Donc déjà c'est un double poster, donc recto verso, voilà, donc Batman Superman ici. Derrière, au dos, ici aussi, avec un choix de mettre des images. Alors ils ont dit que ce sont des images phosphorescentes, évidemment avec le vert fluo, on peut penser que c'est bien le cas, mais je suis pas certain, j'ai pas encore vérifié. Donc le choix a été fait de mettre des images ici phosphorescentes. Ici, j'ai pas encore pu coller d'image sur ce côté-là du poster. Il me semble qu'il y a donc des brillantes à coller à l'intérieur du poster. Donc j'en ai déjà collé encore d'autres phosphorescentes ici. Non, j'ai pas encore pu en coller. Mais je possède des images. Ben, je vais vous les montrer tout de suite d'ailleurs. Elles sont là. Donc j'ai toutes mes images ici que j'ai sorties, que j'ai alors à l'échange ou à coller. Il doit me rester quelques-unes à coller. Donc on a du univers Disney, Dragon Ball, des films, Harry Potter, super-héros, du football, des trucs anciens comme du Cobra, du Transformers, des brillantes gargoyles qui sont tirées du poster du coup. Des cartes ici. Donc ce que je vous disais, les fameuses cartes qui sont pas offerte avec les paquets d'images. Donc quand vous voyez écrit carte au niveau d'un paquet d'images d'album, au lieu d'avoir 5 images Panini pour 90 centimes ou 1 euro maintenant, vous aurez 4 images plus une carte. Donc en fait, vous n'avez pas le choix. Les cartes qui sont très sympathiques, hein, mais il faut aimer collectionner les cartes. Ce n'est pas quelque chose que vous collez dans votre album. Et à l'intérieur de l'album, on vous offre une pochette cartonnée à construire vous-même dans laquelle vous allez ranger vos cartes. Donc j'ai vu ça pour certaines œuvres Marvel,
pour les derniers Harry Potter, pour Miraculous. Voilà, donc les cartes sont. C'est très joli, hein. Mais faut avoir envie de collectionner les cartes. Et du coup, le paquet d'images, lui, est un petit peu plus cher. Et bah, surtout, vous n'avez pas le choix. Et vous avez une image en moins. Donc, pour compléter votre poster en achetant des paquets d'images, bah, vous vous retrouvez avec des cartes et avec encore moins d'images. Donc, ça, c'était univers Marvel. Ici, c'est les Spider-Man. Elles sont très très sympas. Le visuel, l'aspect graphique, la texture, c'est très très agréable. Voilà. Les derniers Spider-Man en date. Donc, c'est très très sympa. J'aimerais bien avoir des visuels comme ça, encadrés, des plaques en métal, en grand, pour décorer. Donc, les images Batman, je vais vous les montrer. Elles sont là au-dessus. Donc là, on a une espèce d'effet en relief ici. Alors, je ne vais pas mettre trop près à cause du flash. Ça, c'est très joli aussi. Des images Batman, Superman. Comment je pourrais faire pour pas que le flash embête trop? Ici, donc j'ai pas encore collé les images. Celles que je viens de récupérer, enfin celles que j'avais dans les paquets, pardon. Je n'ai collé deux ou trois dans l'album des phosphorescentes, au niveau des posters dans l'album. Mais les autres, je les garde pour l'instant. En fait, ce que je vais faire, c'est je vais récupérer le plus possible et j'irai les coller qu'une fois que j'en aurai récolté plusieurs. Donc des images de la vieille série, à plusieurs doubles déjà. Voilà. La série avec Adam West, Batman versus Superman, très 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 sympa ces images là, j'adore. Les effets de brillante sont pas mal du tout aussi. Tac tac tac, on arrive à d'autres brillantes, donc c'est ce que je vous disais. Alors, est-ce qu'on a du X quelque chose? Non, numéro 110, donc ça on la colle dans l'album, donc voilà, des jolies brillantes. Mais pour cet album, ils ont fait le choix de ne pas les mettre sur le poster. Vous les collez dans l'album, dans le poster, vous aurez des phosphorescentes. Ce qui est un petit peu dommage, je trouve. Image du dernier dessin animé en date que j'ai pas vu. Unlimited, ça s'appelle. Ah, des images. Vous avez aussi un passage dédié au jeu Arkham. Avec des visuels comme ça. Très 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 belles images. Double face. Ici le pingouin. Des images directement prises du jeu, un visuel d'Arkham, donc c'est très 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 joli. J'adore cette série d'albums. Ici, une image à compléter qui est aussi exceptionnelle, mais malheureusement, je possède deux fois la même. Donc voilà, il y en a encore plusieurs autres. Je vous les montre rapidement, mais je voulais quand même que vous puissiez jeter un œil là-dessus. Voilà. Donc si tous les albums Batman étaient de ces qualités-là, ça serait très 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 chouette. Voilà. Donc ça c'était pour cet album, Le Monde de Batman. Donc j'ai beaucoup d'images à récolter, mais l'album est encore assez récent, je ne vais pas avoir de mal à en récupérer. Un autre album assez récent pour lequel j'ai pas beaucoup d'images, mais pour lequel je vais aussi chercher à en récupérer, c'est cet album Civil War. Pareil, on est sur à peu près la même chose, très stylisé, j'aime beaucoup, surtout qu'il y a du Captain America dedans. Donc, comme c'est pas mon super-héros préféré, mais au niveau des films Marvel récents, les films Captain America sont ceux que je préfère. Voilà, donc j'ai pas beaucoup d'images de coller dedans, mais je vais essayer d'en récupérer. J'ai d'autres albums récents pour lesquels je veux récupérer des images, donc des Captain Tsubasa, des Dragon Ball Super. Ils sont récents, donc j'aurais pu en acheter, mais je rappelle le prix, 1 euro pour 5 images. Donc à ce prix-là, je ne vais pas compléter mes albums en achetant des paquets d'images neufs. Hein. Je peux en acheter quelques-uns à chaque fois. Donc ici, on voit que les images collées se fondent. Alors, il faut bien les coller, évidemment, mais ça, c'est avant tout un plaisir d'essayer de bien coller les images. Une fois qu'elles sont collées, que vous les avez bien collées, elles ne s'intègrent pas parfaitement au visuel. Voilà. Donc, et cet album-là, Civil War, est rempli de choses comme ça, d'images à coller pour que ça s'intègre parfaitement dans les visuels. Là, c'est pas parfait. Là, ici, la jonction entre
entre les deux images ici. Alors, le visuel autocollant et un aspect glacé, du coup, on le remarque assez vite. Voilà, je prenais très peu de plaisir quand j'étais petit à coller ces autocollants là qui devaient être raccord avec le reste de l'image, parce que c'était difficile tout simplement. Mais alors, je peux vous dire que maintenant j'adore ça, hein. Essayer de les coller le plus parfaitement possible ici, toute une page consacrée à War Machine avec ici et à des effets sur la brillante qui sont assez exceptionnels. Donc voilà, donc ces albums là je vais les récupérer en priorité. Ensuite je récupérerai les autres albums récents pour lesquels je veux les images, Dragon Ball Super, Captain Tsubasa, etc. Je vais juste pas parler d'une seule chose au niveau des images ici. Donc, en m'inscrivant sur le site Panini Mania, j'ai vu apparaître un terme qui sont les images de récupération. Donc, une image de récupération, c'est une image comme j'ai là, ici. Les brillantes, ces brillantes de masque sont des images de récupération. Donc, ce sont des vraies images, hein. Ce n'est pas des photocopies ou quoi. Mais le dos, c'est un dos photocopié. L'image a été retirée ou alors découpée de l'album dans lequel elle se trouvait, donc que ce soit album ou poster. Donc une image de récupération, c'est ça. Donc les gens, il y a des gens qui acceptent de recevoir des images de récupération. Il faut juste l'indiquer sur leur profil et les prévenir. Voilà. Donc vous voyez ici le dos d'image 135. J'ai trois fois le dos d'image 135 alors que les images sont à chaque fois différentes. Donc moi j'ai pas le poster, si j'ai le poster masque, non j'ai pas le poster masque, donc les brillantes pour l'instant, elles sont en attente, donc moi ça ne me dérangera pas, il faudra que je retire cette partie photocopie, et pour coller, pour que je puisse coller moi-même l'image, par contre du coup je vais la garder, je ne vais pas les proposer à l'échange, donc sur le site, Panini Mania, les gens appellent ça des images de récupération, autrement c'est des images qui sont carrément découpées dans les albums, donc les gens parfois préfèrent quand ils ont 4-5 fois le même album, découper des images, les proposer à l'échange, et voilà, et donc ils appellent ça des images de récupération. Voilà, c'est tout pour l'aspect collection, donc la prochaine vidéo, ou alors à la suite de celle-ci, je ne sais pas encore, je vais avoir mes 5 enveloppes à ouvrir. Allez, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo.